Alors, bonjour, nous sommes le 16 mars 2018. D'entrée de jeu, je dois faire une rétractation de ce que j'ai parlé dans une de mes vidéos précédentes de la semaine passée, à l'effet que les prières sont maintenant permises par la Cour suprême d'Israël à Jérusalem par les Juifs sur le mont du Temple. Alors, moi, j'avais pris ça d'un ministère très actuel aux États-Unis. Puis il devait interviewer même des gens présents là-bas. Puis écoutez, fait que moi j'avais l'information, puis j'avais même un lien, un article. Comme vous voyez, cet article-là ici date du 15 mars 2015. Mais l'article que j'avais la semaine passée datait de la semaine passée, là, c'était récent, là, 2018. Et un frère m'a écrit, heureusement, pour me dire, écoute, c'est le même article repris mot pour mot, puis c'est pas vrai, c'est toujours pas permis. Donc, je me rétracte effectivement en m'excusant parce que, bon, l'information, je ne sais pas d'où vient l'erreur, mais actuellement, il n'est toujours pas possible pour les Juifs de prier sur le mont du Temple. Donc, c'est une erreur et puis veuillez le prendre en note pour vos informations, vos connaissances personnelles. Maintenant, on continue la suite de la vidéo et on va parler d'entrée de jeu du prochain mouvement rétrograde de Saturne, parce que c'est très très important et on voit énormément d'événements qui se déroulent actuellement en très grande accélération, en développement rapide et on est à l'approche de cette fameuse date-là du prochain mouvement rétrograde de Saturne. Et pour ceux qui ont suivi mes vidéos, vous savez l'importance de ces mouvements rétrogrades. Donc on va regarder c'est quand la prochaine date est. Et voici, nous commençons de ce pas. Avant de rentrer dans le sujet de Saturne, je dois absolument vous faire une parenthèse pour terminer un peu le sujet qu'on a parlé de Vénus. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos de la semaine passée, Vénus, mouvement rétrograde le 21 septembre 2017, avec un mouvement rétrograde en plein centre du poisson, le poisson étant le symbole des chrétiens. Et en plus, elle atteignait sa maximum de magnitude. Et une année plus tard, en 2018, le 21, eh bien, on avait la mort de Billy Graham, un an jour pour jour. Ce qui est aussi étrange, c'est que, regardez ici la position, ça, je voulais absolument vous mentionner ça, c'est pas, je suis certain que c'est pas le fruit du hasard, parce que c'est sujet à des prophéties précises. En 2017, Vénus qui brille de tout feu, mouvement rétrograde dans le signe du poisson. Si on regarde dans 2 Pierre 1, comme je l'ai montré, ça nous parle des chrétiens. Ça s'adresse aux chrétiens, en fait, aux croyants, aux disciples, OK? D'où l'importance du signe du poisson. Et ça nous parle de comme une lampe qui brille dans un lieu sombre, si vous voulez. Et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, ce qui est exactement le cas de ce qu'on a ici, parce qu'on a une magnitude la plus faible, donc la plus grande brillance possible pour Vénus. Alors, donc, on se retrouve une année après, la mort de Billy Graham. Puis je vais revenir sur Billy Graham. Selon moi, certaines explications, mais je suis certain que c'est prophétique. C'est un signe d'annonce. De l'annonce très proche du retour de Jésus, c'est clair et net pour moi. Je vais vous montrer quelques indices de pourquoi je pense ça aussi. Ici, voyez-vous, on a Vénus dans le jet d'eau du Verseau. Ce qui est assez incroyable, c'est que on sait que bon, l'Église était fondée à la Pentecôte, mais on a aussi, dans ce cas-là, la préparation de la Pâque, OK? Comme tout le monde se rappelle, le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples et leur dit: Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau et suivez-le. Bon, puis là, il fait faire ça dans la salle haute, OK? Et la Pâque a lieu, c'est le dernier repas. Qui symbolise Jésus comme étant l'agneau sacrifié et l'agneau parfait de Dieu est sacrifié sur la croix. Et après 3 jours et 3 nuits, il va vaincre la mort, il va revenir à la vie. Et après ça, après un certain nombre de jours, qui va passer sur la terre,
Ça va être la journée de la Pentecôte où l'Esprit Saint va descendre sur les disciples et que l'Esprit de Dieu va maintenant pouvoir habiter les croyants, si vous voulez, les disciples, et bon, etc. Et c'est de là que l'Église est fondée, si vous voulez. Alors, l'importance ici de ce que je vais vous montrer, c'est l'homme portait une cruche d'eau. On a donc une année, jour pour jour, la position de Vénus, la mort de Billy Graham, et on a exactement, elle pointe non seulement dans l'homme qui porte le seau d'eau, mais de l'eau qui est versée, exactement dans le jet d'eau qui est versé, comme vous pouvez le voir ici. C'est assez exceptionnel. Maintenant, pour ceux qui doutent un peu de bon Vénus, l'étoile brillante du matin, est-ce que c'est le cas? Eh bien, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose de très intéressant dans les commentaires. Et puis, je l'avais déjà fait, mais j'ai comme omis de vous en parler. Est-ce que vraiment, à partir de la concordance, on peut dire, on peut signifier que l'étoile brillante du matin, pris dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, eh bien, que ça nous dit, c'est moi, Jésus, qui est le rejeton de David. Là, je ne veux pas paraphraser exactement dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, mais ça nous parle qu'il est lui-même l'étoile brillante du matin. Alors, on va aller voir dans la correspondance, voir dans la concordance, voir si vraiment, selon les Juifs, l'étoile brillante du matin était associée à Vénus. En dehors des explications astronomiques que je vous ai dit, que je vous ai donné déjà, qu'effectivement, les astronomes professionnels et amateurs appellent Vénus l'étoile brillante du matin, et que je vous ai expliqué que c'était le troisième astre le plus brillant de tout le firmament. Donc, aux premières lueurs du matin, Vénus va subsister à la vue encore dans le ciel, tandis que les autres étoiles vont être effacées, incluant Sirius, qui est de toutes les étoiles l'étoile la plus brillante. Donc, voici, je vais vous faire la démonstration pour la concordance. Alors, donc, si on prend ici 2 Pierre 1,19, qui est vraiment la prophétie donc je vous ai montré la semaine passée, « Et nous tenons d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. » Donc, un jour qui vienne apparaître, ça nous dit exactement ce que les astronomes savent de Vénus. C'est lorsque le jour commence, il y a les premières lueurs du soleil qui apparaissent. Vénus va subsister pendant un certain temps, alors que, comme je vous ai encore expliqué, toutes les étoiles du ciel vont être disparues, dont Sirius, qui est la plus brillante de toutes les étoiles, avec la magnitude la plus faible, à -1,45. Donc, le jour vient d'apparaître et que l'étoile brillante du matin se lève dans nos cœurs. Si elle est là, et que c'est les lueurs du jour, ça élimine énormément d'objets. C'est pour ça que je pense qu'on nous dit on doit faire et prêter attention à cette prophétie, qu'il ne peut pas avoir de fruit de hasard. Donc, Pierre, dans le livre de Pierre, on s'adresse particulièrement ici aux disciples, aux gens qui ont reçu l'Esprit-Saint après la fondation de l'Église à la Pentecôte, OK? Donc, le signe du poisson, mouvement rétrograde en plein cœur du poisson pour vraiment nous montrer, voici l'événement, en même temps d'une magnitude minimale ou une brillance maximale. Donc, on voit l'étoile brillante du matin qui se lève exactement comme la prophétie nous le dit au niveau astronomique. Et ici, voyez-vous, dans la concordance, eh bien, le mot qui correspond à apparaître et que l'étoile brillante du matin, c'est phosphorus. Et phosphorus, ici on le voit, se traduit. Attendez. Où j'ai le mot pour Vénus? OK. Portant de la lumière, donnant de la lumière, la planète Vénus, l'étoile du matin, l'étoile du jour, du berger. Voyez-vous, l'étoile Vénus, ça c'est dans la concordance Strong à partir du grec, parce que le Nouveau Testament ou le livre de l'Apocalypse a été écrit en langage grec d'origine. Donc, ça c'est ma première démonstration. Donc, je continue dans ma démonstration. On a fait le livre de 2 Pierre, le verset 1, 2 Pierre 1, le verset 16, OK? Maintenant, on a encore l'étoile brillante du matin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange
pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. On le voit ici donc. Alors, vous allez voir le miracle. C'est que, le miracle ici, c'est qu'on a une confirmation. C'est trop précis pour qu'on puisse se tromper. Je ne vous dis pas qu'on va être enlevé dans une semaine. Ce que je vous dis, c'est que le signe astronomique de Vénus, l'année passée, maximum de brillance en plein milieu du poisson avec un mouvement rétrograde, trois caractéristiques correspondant parfaitement au livre de Pierre, dans lequel la concordance nous confirme que l'étoile brillante du matin dans le livre de Pierre, c'est Vénus. Pour les juifs, même au niveau grec, la précision de ce mot-là nous pointe vers l'étoile Vénus, OK? Donc, on l'a maintenant, la même chose ici, l'étoile brillante du matin, dans le livre de l'Apocalypse. Ce qui est miraculeux, c'est que, bon, dans le livre de Pierre, ici, la correspondance du mot phosphorus, c'est 54-59. Vous allez voir que dans le livre de l'Apocalypse, il s'agit d'un autre mot de la correspondance, complètement différent, là. C'est une autre correspondance, et ça nous pointe encore, imaginez-vous, à l'étoile Vénus. Deux mots différents pour une même phrase en français, il traduit ça l'étoile brillante du matin, mais avec le mot phosphorus dans le livre de Pierre et un autre mot que je vais vous montrer et qui nous font référence à une épithète à l'étoile Vénus. Imaginez-vous, là il n'y a plus aucune erreur possible. L'étoile brillante du matin, les astronomes appellent Vénus l'étoile brillante du matin. Dieu souffle dans le cœur des hommes les choses à appeler lorsque ça a de l'importance. Vous vous rappelez, je vous ai démontré, ça j'ai vraiment été le seul à le faire d'ailleurs, je n'ai jamais vu ça dans aucun autre ministère. Ça a été mis dans mon cœur de vérifier ces choses-là. Vous vous rappelez, on nous parle des quatre êtres vivants. J'ai identifié ça aux quatre constellations qui correspondent aux quatre changements de saison, les deux équinoxes et les deux solstices. Solstice d'hiver, solstice de printemps, équinoxe d'automne, équinoxe solstice d'été, solstice d'hiver, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne. Et on a le Verseau, on a le Lion à l'intérieur de cela. On a le Taureau et le Scorpion qui est l'aigle finalement. C'est les quatre. Et lorsqu'on regarde les étoiles principales reconnues par les astronomes qui forment ces constellations, pas ces constellations-là, mais c'est... je vais trouver le nom ici. Ces signes du zodiaque, OK? Eh bien, on regarde les étoiles et on prend le nombre d'étoiles qui ont reçu des noms. On ne parle pas ici de chiffres, une étoile 1.347.b, là. On parle d'une étoile qui a reçu des noms, comme Aldébaran. Aldébaran, qui est l'étoile dominatrice, qui est l'œil rouge du taureau. Quand on dit de bullseye, ben c'est l'étoile qui est dans l'œil du taureau. C'est la plus brillante du taureau, en passant. Alors, ces quatre êtres vivants-là, si on parle le nom de ces quatre étoiles-là, incluant les autres étoiles, on arrive au nombre de 24, qui est le nombre des 24 du nombre des anciens dans l'Ancien Testament. On nous parle donc des quatre êtres vivants dans lesquels il y a 24 anciens et on trouve les 24 anciens et les quatre êtres vivants séparément. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est un prodige, c'est miraculeux et il a fallu que des temps anciens, des noms, Dieu a permis à l'homme de nommer des étoiles et de ne pas donner de nom à certaines autres étoiles pour des raisons très particulières. On les voit dans les prophéties. Juste ça devrait vous convaincre que la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est unique et ça ne peut pas être le fruit d'une intelligence suprême. C'est le fruit de quelqu'un qui ne vit pas dans le temps, qui voit toutes choses et qui est omni-intelligent, c'est-à-dire qu'il est l'intelligence. C'est une entité qui est parfaite, qui est Dieu. Il n'y a aucune erreur à ça, c'est juste ça devrait vous convaincre. Donc, l'étoile brillante du matin, ici, on va aller dans la concordance, le livre de l'Apocalypse, attendez un instant, on va aller le chercher. En anglais, c'est Revelation. Mon ordinateur, il y a beaucoup de choses d'ouvert, il est assez... ralenti, chapitre 16, non, c'est chapitre 22, pardon, on va aller chercher, chapitre 22, verset 16. Et donc, lorsqu'on regarde ici, on a donc ici, I, Jesus, have sent mine angel to testify unto you these things.
Donc, c'est le titre, c'est le texte qu'on voit dans le verset 16. Et ça nous parle de Bright and Morning Star, l'étoile brillante du matin, on l'a ici. Le mot qui m'intéresse, c'est qui a trait à morning ici. Concordance 37-20. Orthrinos. Allons voir ici qu'est-ce que ça nous dit. Lui-même prend sa source dans la concordance, le mot G3722, qui est relatif à l'aube, OK, et qui est une épithète à l'étoile Vénus ou à la planète Vénus, qui est justement, qui est spécialement l'étoile brillante du matin, qu'on le voit ici. Early day, le early day, c'est le matin, morning, qu'on voit ici. Alors donc, deux concordances différentes, de deux phrases différentes dans le livre de la, un dans le livre de l'Apocalypse, l'autre dans le livre de Pierre, et on nous fait une référence à l'étoile Vénus. C'est assez extraordinaire. Il a noté un autre fait incroyable. Vénus atteint sa plus grande brillance en février 2017. Le 17 2017 à 17h25. Il nous donne l'heure dans le ciel de l'heure de Tokyo, si vous voulez. 1 heure après, justement, le sunset, 1 heure après le lever du soleil. On voit l'étoile brillante du matin et on voit Vénus ici. On voit ici une photo agrandie avec son, je peux appeler ça, son croissant. Et donc, c'est juste une note comme ça. Ça, c'est la journée qu'elle a atteint sa plus grande brillance, mais ça a duré pendant quelques jours, dont le 21 février. Elle avait encore cette magnitude maximale. Et c'est après le 21 février, soit le 22, qu'elle a commencé à diminuer tranquillement. Donc, on est vraiment très précis pour nous pointer à une année, jour pour jour, à la mort de Billy Graham de cette année, cet événement qui s'est produit le 21 février 2018. Mais juste vous faire remarquer 7 7 et encore un 7 ici, il y a des 7 qui sortent partout ici. Juste vous dire, est-ce que c'est un hasard, je ne sais pas, mais c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, d'autant plus que cette année en plus ça nous pointe dans l'eau du Verseau, comme je vous l'ai déjà montré. Maintenant on va enchaîner avec Saturne et son prochain mouvement rétrograde. Et je veux juste vous rappeler que j'ai fait une série de vidéos que vous pourrez regarder encore de nouveau, dans lesquelles je fais une rétrospective des plus récents mouvements rétrogrades de Saturne, dont un correspond à un événement assez extraordinaire avec. Vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'événement qui s'est produit en Turquie lorsque il y avait une base militaire qui était entourée par l'armée turque. Et puis, dans cette base militaire-là, il y avait entre 90 et 110 ogives nucléaires. Et on ne sait pas pourquoi l'armée turque avait encerclé cette base militaire-là. À cette époque-là, Obama était un petit peu vers la fin de son mandat, mais il était encore au pouvoir. Eh bien, on n'a jamais vraiment su qu'est-ce qui s'est passé. Apparemment que tout est rentré dans l'ordre, mais vous savez, c'est un événement marquant. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est produit, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est après cet événement-là que la Turquie est rentrée en Syrie et maintenant manifeste le retour de l'Empire ottoman. C'est exactement cette partie de cette journée-là et nous avions eu un mouvement rétrograde. Un autre mouvement rétrograde important, on nous avait annoncé tout à coup la disparition de Poutine, qui était complètement disparu, et les grands réseaux en parlaient. Où est Poutine? Est-il décédé? Je vous avais démontré, je vous avais montré une capture d'écran pendant 20 minutes sur le site officiel du gouvernement russe. Donc, je vais vous montrer ça brièvement. CNN, ouais, pourquoi Poutine est-il disparu? Voyez-vous, le 13 mars 2015, etc. Et bon. Ici, on nous dit que tous ceux qui s'occupent l'aspect journalistique de suivre la carrière politique, si vous voulez, de Poutine, insistent qu'il n'a pas été vu depuis le 5 mars. On est en 2013, OK? Et puis, bon, vous avez plusieurs articles qui sont sortis. Il y en a beaucoup qui ont fait état à l'effet. Pourquoi qu'on ne le voit plus, etc. Et là, ici, on le voit qui réapparaît, puis il dit, bon, c'est du potinage. Il parlait des petits réseaux d'information, alors que c'est vraiment pas dans ses habitudes de faire ça. C'est pareil comme si c'était un autre personnage. Bref, OK, voyez-vous ici le président russe maintenant aperçu.
première fois qu'ils l'ont vu en public depuis 10 jours. Pourquoi toute cette tollée-là alors que Poutine n'a jamais eu de problème, oh, il n'a pas été vu. Tout à coup, il y a eu cet événement-là vraiment intriguant. Et je vous rappelle que l'Antéchrist il va avoir énormément d'intrigues qui le relient, qui l'entourent. On voit des choses de plus en plus intrigantes, qui sont difficiles à expliquer, mais définitivement, il y avait quelque chose là-dedans. Et surtout ici, Deb Caffaël, qui nous dit qu'il y a un rapport non confirmé, cependant, on nous dit, un rapport Internet, à l'effet qu'il y aurait une rumeur que Vladimir Poutine serait décédé. Par contre, la rumeur est basée sur du solide. Et le journal Deb Caffaël nous rapporte que sur le site officiel de Moscou du président Medvedev, ici qu'on voit, il y avait une annonce de la mort de Poutine le jeudi et qui aurait été retirée après 20 minutes. Donc, on a annoncé la mort officielle de Poutine, puis tout à coup, après 20 minutes, on enlève ça. Et puis, on n'entend plus parler de rien. Mais c'est arrivé un mouvement rétrograde. Et moi, je regarde actuellement ce qui se passe. Et ça, je vais vous montrer ça bientôt. À l'effet que Mme Clinton a envoyé les nouveaux missiles qu'on a, qui viennent d'annoncer au niveau de la Russie, qu'on ne peut pas intercepter. Une nouvelle technologie. Et sont supersoniques. C'est le dernier cri de missile. Eh bien, c'est Mme Clinton, à travers la Fondation Clinton, qui a donné ces armes-là à la Russie. Bien évidemment, même si ça vous rapporte de l'argent, les Illuminati, des fois, vont donner des armes pour balancer deux grandes puissances pour créer le chaos le plus énorme possible. Ils ne veulent pas vraiment qu'il y ait de gagnants. Donc, ils vont balancer les forces si vous voulez, en suspens. Mais actuellement, leur plan, c'est la destruction des États-Unis parce que c'est vraiment un pays qui crée un très, très grand problème à leur plan de mettre le nouvel ordre mondial. Ils doivent donc soumettre ou détruire les États-Unis à tout prix. Et là, maintenant, avec Trump, ils ont plus qu'un grain de sable dans leur engrenage. Ils doivent agir, ils doivent se débarrasser de Trump ou de créer une guerre importante rapidement. Il faut qu'ils agissent très rapidement. Et là, voyez-vous, même les rumeurs très pressantes du fait qu'il y aurait plusieurs personnes politiques importantes qui sont prises dans toutes sortes de scandales. On parle des Clinton, des Podesta dans le Pizzagate. Scandale de traite de petits enfants, pornographie infantile et toutes ces choses-là, extorsion, bon justement, un crime comme ça de donner des armes à un pays étranger est passible de la peine de mort, c'est très très grave et Obama est le chef d'œuvre et le maître d'œuvre de toutes ces choses-là. Madame Clinton est une marionnette, imaginez-vous, d'Obama. Vous allez me dire, il est la marionnette de George Soros, mais effectivement, la Bible nous dit que l'Antéchrist va prendre son pouvoir non pas par sa propre force. Donc, il utilise le pouvoir des autres, il soudoie les gens alentour. C'est un homme extrêmement intelligent et qui fait son chemin à travers toute cette jungle-là pour arriver au pouvoir. Bon, maintenant, ceci étant dit, tous ces événements-là se sont produits à un mouvement rétrograde de Saturne. Alors, je vais vous montrer un peu où vous allez pouvoir retrouver, si vous voulez regarder en surplus, ces vidéos-là que j'ai faites il y a peut-être un an et demi, 2 ans, qui vous parlent principalement de ces choses-là en plus en détail. Alors, les voici. Alors, sur mon site internet, IsDeLambe, vous allez aller voir dans les sections vidéos, et vous allez voir des vidéos qui s'intitulent carrément les rétrogrades de Saturne 2016, l'arrivée de la grande tribulation. À l'intérieur de cela, vous allez avoir les détails dont je viens de vous parler. Il s'agit d'un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 vidéos. Puis, ces vidéos-là, ben, vous allez avoir, entre autres, la démonstration à partir de la concordance que l'étoile de Moloch, qui est Satan, le dieu qui amenait les sacrifices pour les Juifs, l'étoile de Moloch, eh bien, était attribuée dans la correspondance en hébreu à Saturne, la planète Saturne. Donc, on sait que l'étoile Saturne, bon, si je donne par exemple, si on va dans les Jésuites, la société secrète des Jésuites, ils sont pas mentionnés comme étant dans les sociétés secrètes, là, mais
Compagnie de Jésus. Tous les résultats. Jour précédent. OK. Là, attendez. Il faut que j'aille. OK. Si je vois ici, Jésuite. Juste montrer quelque chose. Bon, on a ici le logo des Jésuites. Voyez-vous ici, le H, eh bien, comme je vous ai déjà montré avec cette barre-là ici, eh bien, c'est le symbole de Saturne qui est au centre du logo des Jésuites, OK? Maintenant, si on va un petit peu plus loin dans la représentation, si je regarde Saturne, la planète, et je fais une image, puis je mets symbole. Voyez-vous ici le H avec la petite barre, vous l'avez. Donc, c'est le dieu, Moloch, c'est le dieu, c'est Satan carrément. Et lorsque vous avez cette planète-là qui fait des mouvements rétrogrades dans les derniers jours, attendez-vous, je vais vous faire la démonstration, comme je vous dis, de la prochaine date, hein, parce que je suis convaincu, à tous les derniers mouvements rétrogrades de Saturne, il y a eu des événements comme intrigants, que vous croyez ou non que le Poutine qui est là n'est pas le Poutine qui fut. Moi, je le pense parce que Mme Clinton a donné des armes de dernier cri à la Russie et, selon moi, l'homme qui est en place est sous un contrôle des Illuminati. Donc, ils ont énormément de pouvoir pour mettre un frein à l'engrenage, au grain de sable dans l'engrenage qui s'appelle Donald Trump. Parce que Donald Trump, actuellement, fait un travail extraordinaire pour essayer de démontrer toute la corruption incroyable qu'il y a au sein du gouvernement. Il y en a dans le FBI, il y en a dans la CIA. Il doit se battre continuellement et contre les médias aussi. Et à l'intérieur de son gouvernement, il y avait des gens, même dans son parti, qui étaient des traîtres. Il a dû vivre avec ça. Maintenant, il se bat avec des scandales de pornographie, il se bat avec toutes sortes de choses. Et là, actuellement, la femme, là, c'est une porn star, là, une actrice pornographique qui l'accuse d'attouchement sexuel ou je ne sais pas trop quoi, mais cette femme-là, finalement, a été vue avec les Clinton et mange dans les mains des Clinton. Ce n'est pas nécessairement cette personne-là qui est une mauvaise personne. Le problème, c'est que c'est une des tactiques. Ils font chanter les gens. Ils les menacent de toutes sortes de façons, de mort ou de dévoiler des informations au public qui ne veut pas les dévoiler s'ils ont fait des choses pas correctes. Et alors, ils vont mettre souvent un bras de levier de même sur des politiciens et ils vont les tenir sous leur joug. Et s'ils ne font pas, ou ils ne votent pas, ou ils ne prennent pas telle action, selon ce qu'eux veulent, eh bien, ils dévoilent, ils menacent de dévoiler des choses contre eux. Alors, c'est une des façons, des bras de levier qu'ils utilisent. Donc, voyez-vous, ici, l'étoile de Saturne, l'importance encore de Saturne, c'est extrêmement, c'est primordial. Et puis, vous allez voir, dans ces vidéos-là, comme je vous ai montré, que j'ai produit il y a un an ici, eh bien, dans cette série de 8 vidéos-là, bien, vous allez pouvoir voir beaucoup d'informations plus en détail sur Vénus dans les derniers mouvements rétrogrades. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est le prochain mouvement rétrograde. Nous allons voir ici maintenant Saturne. OK. Et nous allons voir son mouvement rétrograde. Et moi, je sais déjà d'avance que c'est au mois d'avril, mais je vais vous en faire la démonstration. Donc, on va avancer ici. Vous voyez, elle se déplace dans le ciel apparent. Mois de mars. Ah, se stabilise. Mouvement rétrograde effectué. Allons voir plus en détail la date précise du mouvement rétrograde maintenant. On va retourner un peu en arrière. Ça me prend une étoile de référence, des étoiles référentielles, pour savoir quand le mouvement s'interrompt précisément. Alors ici, on voit à l'avance. Encore. Encore. Alors, on voit que le mouvement rétrograde, c'est vraiment à la journée du 17, selon moi, selon ma meilleure connaissance. Toujours est-il, si on se base sur des sites spécialisés dans le domaine,
On voit ici. Bon, Saturne. On nous dit pour 2018 que c'est au 17 avril qu'on nous confirme pour le mouvement rétrograde. On nous donne même l'heure précise et on nous donne à 9 degrés dans le Capricorne. Alors, c'est ce que vous voyez ici. Puis, on a vraiment le mouvement rétrograde au mois d'avril, tel que décrit dans dans ce site d'information pour le mouvement rétrograde de Saturne. Alors, donc, on est dans un très grand. On peut s'attendre qu'à l'approche de cette date-là, parce que vous voyez, nous sommes quand même. Bon, nous sommes le 15 mars. Si je retourne ici, nous sommes le 15 mars, donc, si je retourne un peu en arrière. On voit quand même que Saturne ralentit considérablement sa course. On est au début de février. Et on voit à partir du 20, 21 environ vraiment un ralentissement de Saturne. Je vais recommencer un peu pour que vous voyez là. Voyez-vous, à partir du 21, on a un ralentissement de Saturne. Ralentissement qui s'accélère. Là, au 15, on est vraiment dans un ralentissement. Et là, on est encore dans un très grand ralentissement au début d'avril, jusqu'au 17 pour son mouvement rétrograde complété.